Bonjour, monsieur. C'est leur sortie préférée de la semaine. Chaque vendredi, Fatma, son frère Ali et leur neveu viennent se promener dans ce centre commercial le plus luxueux du Qatar. Le genre d'endroit où l'on vous transporte en voiturette pour éviter que vous ne soyez en nage. Ok. Ah, she's here. Ah, la voilà. Can you wait, please? Attendez, il y a notre nounou. Yes, because our maid. Ok. T'as viens ici, pour t'occuper de la petite. La famille, y compris la nounou philippine, va passer l'après-midi à flâner de boutique en boutique. 10 minutes à regarder les t-shirts et les chemises pour enfants. Ça. 15 minutes à s'asperger de parfum. Sans oublier un petit anka dans l'un des restaurants du centre commercial. C'est le petit plaisir de Fatma. Cette chargée de communication de 28 ans est aussi la première blogueuse culinaire du pays. Fais semblant de manger pour que je prenne la photo. Elle compte plus de 38 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Je fais ça à chaque fois que je vais au restaurant. On doit toujours attendre 5 minutes avant de commencer pour qu'elle prenne des photos. Ici, ça fait 3 fois que je viens et j'adore leur risotto. Lorsqu'ils sortent de table, l'appel du muezzin résonne. Il est 17h30, c'est l'heure de la troisième prière du jour. Fais tes ablutions et ta prière et on se retrouve après. Comme les bureaux et les administrations du pays, le centre commercial met à disposition une salle de culte. Quasiment tous les Qataris sont musulmans pratiquants. L'islam est ici religion d'État et il y a aussi un sport national. Le shopping de luxe. En quelques années, cet émirat est devenu richissime grâce à la découverte en 1971 d'une poche de gaz, l'un des plus grands gisements du monde. Depuis, les buildings poussent comme des champignons, tout comme les millionnaires. Ils représentent aujourd'hui 15% des Qataris, l'un des taux les plus élevés de la planète. Comme la température dépasse régulièrement les 40 degrés, les habitants trouvent refuge dans des centres commerciaux ultra-climatisés. On en compte plus de 20 à Doha, la capitale. Le dernier en date, le Al Azam, a été spécialement conçu pour une clientèle d'ultra-riches qui dépense comme elle respire. Des cafés et des restaurants chics. Une dizaine de boutiques de prêt-à-porter. Ou encore, une maison des fleurs, autrement dit un fleuriste. En tout, près de 40 boutiques où l'addition peut grimper très vite, même quand il ne s'agit que d'acheter une fiole de parfum. Ça fait 1500 euros. C'est à la fois. 1500 euros ? Ok, merci. Vous savez que ça représente un salaire en France ? Oui, je sais. Mais ici, c'est normal. Logique. C'est une dépense moyenne, en tout cas pour une famille qatari. Si les clients ne comptent pas, celui qui a conçu ce centre commercial compte encore moins. C'est un magnat de l'immobilier, Mohamed Alemadi, 55 ans, aujourd'hui à la tête d'un empire. On a une société spécialisée dans la pierre qui a fait tout le travail du centre commercial. Nous avons aussi une menuiserie. Et là, ce sont quelques-unes de nos propriétés immobilières. Mohamed Alemadi s'est enrichi grâce au formidable essor démographique du Qatar. En 30 ans, la population a été multipliée par 6, notamment grâce à l'afflux d'expatriés qu'il a fallu loger. L'homme aime se présenter comme un self-made man, issu d'une modeste famille de commerçants. On est dans le business depuis longtemps.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ma famille avait un emplacement au souk. Mon père y allait tous les jours. Et l'après-midi, je le rejoignais. J'avais à peine 7 ans et je le voyais négocier avec les clients, faire des affaires, acheter, vendre. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, homme en vue, il fréquente les champs de course où il s'affiche avec l'émir. Il lui a fallu près de 10 ans pour transformer cette étendue de sable en un centre commercial qui frappe les esprits. Un projet pharaonique, 5 immenses bâtiments dont la construction a mobilisé plus de 1000 ouvriers. Coût total des travaux, 1 milliard de dollars, qu'il dit avoir financé avec sa fortune personnelle et des emprunts bancaires. L'endroit le plus spectaculaire, c'est cette galerie, à peine achevée, qui doit accueillir les plus grandes marques de luxe. Un bâtiment tout en marbre qu'il a fait acheminer par container durant 4 ans. Des plafonds en mosaïque, où chaque centimètre carré a été posé à la main. Une galerie d'inspiration italienne dont le patron n'est pas peu fier. Je me suis mis en tête que je voulais faire la même chose dans mon pays, au Qatar. Pourquoi on ne pourrait pas profiter d'une si belle architecture chez nous, hein? Pourquoi? Là, on est juste sous le plus luxueux dôme, je ne dirais pas du monde, mais du Moyen-Orient. Vous pouvez voir la hauteur et le design. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qu'il faut voir. En attendant l'ouverture au public de la galerie, dans la partie en plein air du centre commercial, les riches clients ont déjà de quoi dépenser leur argent. Comme toutes les Qataris, Chaïka porte le voile et l'abaya, la robe traditionnelle des femmes du Golfe. Mais elle aime venir s'encanailler dans un magasin du mall, élue boutique la plus luxueuse du Moyen-Orient. Allez, bonjour. Comment allez-vous, ma chérie? Comment ça va? Tout va bien, Dieu merci. Vous avez des nouveautés? Oui, oui, il y a du Ziyad Nakad. Le magasin ne propose que des robes de créateurs, dont certaines très ajourées. Celle-ci est de Jean-Louis Sabaji. Elle est très belle portée aussi. Ah oui. Elle est très légère. Si vous voulez danser avec, vous pouvez. Très élégante. Chaïka achète ici toutes ses tenues de soirée. Des robes qu'elle ne peut porter qu'en présence des femmes. Et entre ces dames, il y a une certaine rivalité. Chaque pièce est unique. Je ne verrai pas cette robe sur une autre femme. Je serai la seule à la porter. C'est important pour vous d'être la seule? Oui, bien sûr. Et la première? Oui. Comme à chaque fois que Chaïka passe en cabine d'essayage, les vendeuses baissent les stores pour qu'aucun passant ne puisse l'apercevoir sans son voile. Chaïka prendra cette robe ainsi que cet autre modèle. Deux tenues qui ne pourront plus être vendues à d'autres clientes. Elle est certaine d'être la seule à briller avec. Merci, chérie. En 30 minutes, elle vient de dépenser 19 000 euros et compte revenir le mois prochain. Des robes à prix astronomique que ces dames portent rarement plus d'une fois. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue. Tagrid Mansour, 33 ans, cherche à s'habiller pour le mariage de son beau-frère dans un mois. C'est du Ziyad Nakad? Oui, bien sûr. Je vais vous la montrer. Oh mon Dieu! Oui, c'est une pièce haute couture et celle-ci, c'est taille 42. Mais la couturière peut la faire à votre taille. Des plumes, des strass, ce n'est jamais trop voyant pour la jeune femme. Si vous portez quelque chose de simple, ça veut dire que vous ne vous souciez pas de l'événement. Vous devez porter quelque chose de luxueux.
Si c'est tout simple, tout lisse, comme ça par exemple, ça veut dire que vous vous en fichez. En plus, c'est le mariage de mon beau-frère. Je dois porter quelque chose de spécial et d'unique. Vous pouvez me montrer ce que vous avez d'autre comme robe sur la tablette ? Oui, bien sûr. Tagrid ne travaille pas. Elle élève ses trois filles. Quand elle choisit un modèle, elle ne se soucie jamais du prix. J'adore celle-là, mais est-ce qu'il y a du vert ? Du vert ? Du vert foncé. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Mais j'ai déjà porté cette couleur pour les fiançailles. Le couple arrête son choix sur cette robe à 16 000 euros. C'est monsieur, directeur d'une entreprise d'immobilier, qui va payer la note. Au service de cette clientèle d'ultra-riches, une centaine de salariés s'activent. Bonsoir, bienvenue au Al-Azam. Sony est l'un des 15 voituriers du mall. Il est 21h, à la nuit tombée, le balai des voitures de luxe commence. Vous conduisez de belles voitures. L'hiver, on conduit des Lamborghini, des Ferrari. En général, on les met toutes devant. Aux Philippines, je n'aurais même jamais pu approcher ces voitures. Il n'y a qu'au Qatar que c'est possible. Chaque soir, Sony et ses collègues garent jusqu'à 350 véhicules. 14 euros, le service voiturier. Bonsoir. Voici votre ticket. Il a quitté son pays il y a 10 ans, dans l'espoir d'une vie meilleure. Au Qatar, où le salaire minimum pour les travailleurs étrangers est de 180 euros, Sony gagne 500 euros par mois, le double de son salaire aux Philippines. Il vit dans ce quartier dortoir, à 10 minutes du centre commercial. Toutes ses maisons appartiennent à son employeur. Sony y est logé gratuitement. Alors que le Qatar est souvent pointé du doigt pour les mauvaises conditions de séjour des travailleurs étrangers. Ça, c'est le clubhouse. Ici, les employés semblent plutôt bien lotis. Piscine et salle de musculation. Là, il y a quelqu'un qui fait du sport. Salut. Question intimité, c'est un peu moins bien. Ça, c'est ma chambre. Sony doit partager ses nuits avec d'autres voituriers. Ici, on est trois. Là, il y a un de mes collègues qui est en train de dormir. Il a laissé sa femme et ses trois filles derrière lui. Il leur parle tous les jours, mais ne les a pas vues ni embrassées depuis 2 ans. Shane a 14 ans. C'est mon aîné. La deuxième, Chaneline, a 9 ans. Et la plus jeune, Chanel, a 7 ans. Ma priorité, ce sont les études. Je veux qu'elles aillent à l'école. Et je leur paye des écoles privées. Je pense à leur futur. C'est comme ça que je trouve la force de travailler ici. Sony se donne encore 3 à 4 ans avant de retourner aux Philippines auprès des siens. Il espère y ouvrir un restaurant. Sur les 3 millions d'habitants que compte l'Émirat, 80% sont des travailleurs étrangers, dont 5 000 Français, comme Amel. Elle s'est installée à Doha il y a 3 ans, laissant son fils de 12 ans en France aux soins de son ex-mari. Moment sacré de sa journée, le coup de fil du matin. Tiens, parle à maman. Attends, tu le passes. Zizou. Attends, tu le passes. Tiens, parle à maman. Patate, réveille-toi. Alors ? Et tu fais du canard-canard, toi, pour le travail ? Je sais à quelle urgence, je sais pas à quelle urgence. Ok, mon fils. Ah, t'as bugué, là. Dis au revoir, maman. Travail. Bisous, je t'aime, mon fils. Travaille bien. Pas trop de filles. Au Qatar, Amel ne connaît pas les 35 heures. Eh ouais. Allez, ciao, Amel. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao. Elle n'a qu'un jour de congé et travaille près de 70 heures par semaine. Amel est responsable d'un restaurant dans le mall et doit gérer
voire materner 20 personnes. Allô. You drop the people, even if two persons drop the people to Hazm, please. It's okay. Dans ces conditions, impossible pour elle de faire venir son fils. J'imagine s'il est là, c'est le moment où je dois l'emmener à l'école. Et ma journée commence plus tôt que 8 heures. Et c'est difficile de l'avoir et avoir à côté. Je pense que ça aurait... s'il était là, ça n'aurait pas été facile pour lui de gérer les deux en même temps. Un sacrifice pour un salaire de 2 500 € par mois. L'avantage, c'est qu'elle aussi est logée par son employeur et qu'elle ne paye pas d'impôts. Amel économise presque la totalité de son salaire. Hi Ryan. What is your breakfast? Après avoir travaillé dans un hôtel, puis dans un salon de thé de Doha, Sorry. L'an dernier, elle est recrutée pour diriger le restaurant le plus luxueux du mall, le Train Bleu. Une parfaite réplique du mythique restaurant parisien, construit pour l'exposition universelle de 1900, Gare de Lyon à Paris. Les peintures au plafond et sur les murs ont été reproduites à l'identique. Le bois sculpté à la main est recouvert de feuilles d'or. Ce jour-là, l'équipe d'Amel prépare sa soirée officielle d'ouverture. Ils attendent une centaine d'invités, mais aussi la livraison des ingrédients pour le banquet. Yes, but Mounir, if you said before 12 you have an event in our restaurant, if you said at 12, it's 12, before 12, it's not after 12. Really, it's like 10 minutes he's in the traffic. Pour Amel et son chef cuisinier indien, l'approvisionnement est un casse-tête. Depuis près de 2 ans, l'Arabie Saoudite et ses alliés ont imposé au Qatar un sévère embargo, accusant le petit Émirat de soutenir les groupes terroristes. En fait, avant, on avait plus de facilité parce que ça venait de Dubaï, c'était très simple pour nous, toute la marchandise arrivait. Là, la difficulté depuis l'année dernière par rapport à l'embargo qu'on a eu au Qatar. Et du coup, on reçoit du matériel, on reçoit des produits, mais ou du local, ou on ne reçoit pas nos produits. L'agriculture étant quasi inexistante, le pays est totalement dépendant des importations qui désormais arrivent par avion. Notre crème fraîche vient de France. C'est de très bonne qualité. Le beurre aussi est français. Tous les prix ont augmenté. On n'avait plus le choix. Par exemple, le lait à l'époque, on le payait 1,70 € le litre. Maintenant, comme on doit le faire venir de Turquie, on le paie près de 3 € le litre. Donc les prix ont augmenté de presque 50%. My dear, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 10 minutes, my dear, what is this? Avec 4 heures de retard, la livraison arrive enfin. All the items, mes yeux. Mais il manque un ingrédient indispensable pour la pâtisserie. Alors comme souvent, Amel doit faire le tour des supermarchés. Je cherche la vanille, les gousses de vanille, que je trouve pas. Et des fois, on vient pour chercher d'autres quelque chose qui remplace la vanille. Mais avec ces produits, on peut pas, en pâtisserie, on ne peut pas les utiliser. C'est pas possible. Pas de gâteau à la vanille, donc ce soir, Amel va devoir faire venir les gousses de France, au prix fort. Au final, l'embargo semble avoir eu peu d'effet sur l'économie de l'Émirat. La croissance cette année devrait atteindre 3%, deux fois plus qu'en France. Mohamed Alemadi, qui a investi 1 milliard de dollars dans son mall, tient d'ailleurs à nous montrer que les affaires marchent. Il nous invite chez lui. Une modeste demeure qu'il a fait construire en même temps que son centre commercial. Bienvenue, mon oncle. Lustre, marbre et dorure. À l'intérieur, la décoration est tout aussi sobre. Il vit ici avec sa femme et ses 9 enfants, 7 filles et 2 garçons. Mais il ne nous a présenté que les hommes de la famille, ses gendres et son fils aîné, Jassim. Étudiant en management, il est appelé à prendre sa succession. C'est un business familial, donc ça ne marche pas si vous mettez un dirigeant quelconque. Non, il faut quelqu'un de confiance.
Comme dans tous les pays du Golfe, nous sommes reçus dans la maison des invités, le Majlès. Ici, on est encore dans le Majlès. Mais exceptionnellement, Mohamed Alemadi nous emmène de l'autre côté, là où il vit avec sa famille, un palais des mille et une nuits de 5000 mètres carrés. Ici, c'est le coin barbecue. Toute cette zone, c'est réservé exclusivement à la famille. Ça, ce sont les jeux pour mes plus jeunes filles. Un cadre majestueux qui consacre son appartenance à la haute société qatarie. 20h au centre commercial. Avec la fraîcheur du soir, les allées et les terrasses se remplissent. Au restaurant Le Train Bleu, malgré les difficultés d'approvisionnement, tout est en place pour la soirée d'ouverture. Amel, qui est sur le pont depuis le matin, doit maintenant jouer les relations publiques auprès des invités qataris. Hi. Bonjour. Bonjour. It's the first time in Le Train Bleu, yes. Qatar. Oui. J'ai entendu dire que les peintures représentent les vues qu'on a dans le train, yes, quand on va à Lyon. Lyon, Paris. Yes. C'est très beau. On adorerait aller à Paris. Oh oui, ça nous donne vraiment envie. On ira. Oui, on va le faire. Amel se donne encore un an avant de rentrer vivre en France auprès de son fils. D'ici là, les 120 boutiques du centre commercial devraient toutes avoir ouvert leurs portes.